Allons, Louise, il faut me comprendre, il faut vraiment que tu te rendes à l'évidence. Dis-moi ce que fait cette bague ici et pourquoi elle se trouvait sur le sol. Hein? Réponds-moi, n'est-ce pas la bague que tu avais achetée à cette femme, hein? Que s'est-il passé? Pourquoi l'as-tu? Elle est venue? Elle est venue te la rendre, non, Louise? Non, 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 elle n'est jamais venue ici. Je te le jure, mon amour. Et donc, explique-moi. En fait, elle a envoyé un employé pour la ramener. Attends, quoi? Cette bonne femme a des employés? Non, je voulais dire que c'était l'employé d'une entreprise de livraison. Marissa, je vais te dire la vérité, et tu dois me croire, car je vais être absolument sincère avec toi. Dis-moi. Après t'avoir avoué la vérité à propos de cette femme, j'ai été la voir pour qu'elle me rende cette bague. Nous nous sommes disputés car elle ne voulait absolument pas me la rendre. Je lui ai expliqué le problème que cela avait généré avec toi. Et maintenant, il semble qu'elle ait changé d'opinion, elle a décidé de me la rendre. Marissa, tu me crois, n'est-ce pas, mon amour? Je te promets que je te dis la vérité. Et après avoir reçu ce fameux livreur, tu as fait tomber la boîte et la bague est tombée non, par non, terre. Non, 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 elle a dû tomber de la poche de ma veste sans que je m'en rende compte. Marissa, ne me regarde pas de cette façon, comme si tu ne me croyais pas. Je te dis la vérité, mon amour. Hein? Je t'ai promis de ne plus jamais te mentir. Et crois-moi, tout ce que je te dis est vrai. Au moins, j'ai récupéré la bague. J'espère que la bijouterie me la reprendra et me remboursera son prix. Au moins, maintenant, nous pouvons oublier tout ça. Veux-tu aller prendre un verre, hein? Allez, allons-y, allez. Non, je ne veux rien. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Pourquoi tu ne me crois pas, Leopoldo? Ça me fait du mal que tu n'aies pas confiance en moi. Moi, ce qui me gêne, c'est que tu me prennes pour un abruti. Cette histoire que tu as racontée au bureau de Louise quand nous sommes arrivés, Marissa et moi, s'il te plaît, que tu aies besoin de conseils légaux qui te protègent de cet homme et qui t'a maltraité, s'il te plaît. Mais ce n'est pas une histoire. Voyons, pourquoi aurais-je besoin d'inventer une telle chose? Exactement. Quel besoin aurais-tu? Ou plutôt, dans quel intérêt me mentirais-tu? Alors qu'est-ce que tu crois que je faisais dans le cabinet de Monsieur Montero? Mais ça, je voudrais que tu me le dises, toi. Parce que je ne suis pas dupe. Tu crois que je n'ai pas vu comment vous vous regardiez? Comment vous étiez nerveux? Comme vous étiez tendu? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Quelle vérité veux-tu que je te dise? Que l'homme marié avec qui tu sors est mon ami Luis Montero. Mais enfin, tu es fou ou quoi? Tu ne sais pas ce que tu racontes. Comment peux-tu penser une chose pareille? Et pourquoi tu ne me dis pas qui c'est? Parce que je n'ai pas envie. Parce que tu n'as aucun droit de m'interroger. Pour qui tu te prends, Leopoldo? Tu n'es rien pour moi. Rien. Écoute, Amelia. Ici, tu ne peux prétendre à rien de mieux que cette maudite baraque. Mais Blanca m'a dit que... Ah, Blanca ne sait pas ce qu'elle dit. Il faut être intelligent. Il faut savoir quand se retirer. Ici, ce n'est pas pour toi. La maison du jardinier à l'école non plus. Ni le stand de quesadillas. Amelia, tu es loin d'être bête. Si tu as vécu de cette façon toutes ces années, c'est parce que tu le voulais bien. Tu viens d'une bonne famille, tu as fait des études. J'ai tout juste été capable de m'inscrire à l'université et ces études dont tu parles, je les ai arrêtées. Eh bien, tu pourrais les reprendre. Enfin, bon, je comprends ton désespoir. Maintenant, en plus d'être pauvre, tu es blessé. Attends, écoute-moi. La seule chose qui te reste à faire, c'est retourner, demander pardon à Pedro et demander pardon à ta fille. Ce n'est pas non plus ma place. Je ne vois pas d'autre option parce que tu ne peux pas rester ici. Essaye de comprendre, Mariana. J'ai vraiment beaucoup de mal à demander pardon à Pedro et à ma fille. Écoute, pense-y de cette façon. Là-bas, on prendra soin de toi. On te donnera les soins qu'une personne dans ton état a besoin. Si tu parlais à notre père, il t'écouterait. Je suis certaine qu'il t'écouterait. Il ne m'écoute jamais. Même Blanca, qui t'adore, n'a pas pu le convaincre. Si tu continues de t'obstiner, papa pourrait en mourir. Et ça serait ta faute, Amelia. Tu as déjà fait souffrir assez cette famille. S'il te plaît,
S'il te plaît, je t'en supplie, n'insiste pas à vouloir changer le destin de cette famille. Ici, tu n'as pas ta place. Ici, tu es de trop. C'est bon. Tu as raison. Je dois juste dire au revoir à Blanca et demain, je retourne dans mon monde. Fernanda, Fernanda, attends s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ma mère? Je dois me dépêcher de rentrer à la maison. Mon père m'a demandé de poncer quelques pièces de bois. Des pièces de bois, Fernanda? Oui. Toi, ce que tu dois faire, c'est étudier. Tu ne peux pas continuer à manquer les cours, ma fille. Ma mère, je peux pas laisser mon père comme ça, avec tout le travail. On doit gagner de l'argent pour rénover notre maison. Oui, ma fille, mais comprends quelque chose. Tu es boursière, et si tu continues comme ça, tu pourrais tout perdre. Oh, ma mère, j'ai déjà perdu ma maman. Et mon rêve, c'est d'étudier la musique. J'ai perdu Carlos, ma maison, et j'ai failli perdre mon père aussi. Pour être honnête, si je perds encore quelque chose, je crois pas que ça changera grand-chose. Ne parle pas comme ça, Fernanda. Tu es encore bien jeune pour parler de cette façon. Oui, je sais, ma mère. C'est vrai, vous avez raison. Écoutez, je vais essayer d'être plus assidue au cours. Je vais essayer. Tu me le promets? Enfin, je vais le faire. Promis? Promis. Bien. Mariana a raison. Ici, je n'ai pas ma place. Cette cabane décrépite me rappelle tellement Pedro. Sa maudite odeur est présente sur chaque pierre. Que se passe-t-il chez moi? Vas-tu répondre à ma question? Qu'est-ce que vous faites dans cette maudite maison? Ça va. C'est bon. Si vous voulez savoir ce que nous faisions, alors il faudra m'accompagner pour le voir. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux voir de ses propres yeux pour les croire, n'est-ce pas? Ah, te voilà. Bonjour. Et pour quelle raison? Aurais-tu décidé de me supprimer en m'empoisonnant? Oh, mon Dieu, non. Pas tout de suite, non. Ah, tu vois, ce n'est pas du poison. C'est bien. Et pourquoi es-tu si heureuse? Parce que j'ai enfin convaincu Amélia qu'elle rentre chez elle demain. Comment ça, ici, ce n'est pas chez elle? Bien sûr que non. La sienne, la vieille, la poisseuse. Celle qui a brûlé. Bien. D'accord, d'accord. Et ce n'est pas tout. Ah, et il y a plus que ça. Je vais réussir à annuler le testament. La bâtarde ne va pas hériter d'un seul sou. Oh, de cela, je n'en serais pas si sûr, tu vois. Ah, on dirait que tu t'opposes à ma joie. Pourquoi es-tu si négatif? Non, 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 non. Je ne suis pas négatif. Je suis très réaliste. Ah, attends, voyons voir. Pourquoi dis-tu réaliste? Regarde par toi-même. Voyez, monsieur Fernando. Voyez qui est venu. Amélia! Amélia! Papa! Amélia! Ma fille, ma chère enfant. Ma vie, enfin, enfin te voilà. Enfin tu es là, mon amour. Merci, merci Blanca. Oh, ma chérie, ma chérie. Fernanda, ma fille, tu n'as pas de devoir? Non, papa, quel autre devoir que celui de penser quelques poutres? Non, ma fille, je rigole pas. Concentre-toi un peu pour l'université. Non, je rigole pas, papa. On est en train de reconstruire notre maison, donc on doit rester concentré, non? Comme j'aimerais te dire que oui. Mais tout seul, je terminerai que dans un siècle. Oui, t'inquiète pas. Cela n'est pas possible. Non, monsieur.
La maison doit être terminée avant que n'arrivent les pluies. Oui, monsieur. C'est pour ça que je vous amène mon assistant, pour qu'il vous aide. Non, vraiment, César. Merci, mon ami. Bien sûr, c'est mon gentil. Oh, merci. Hé, hey, papa, il n'y a aucun doute, t'as les meilleurs amis du monde. Et moi, j'ai le meilleur papa du monde. Bon, bah, on a une super équipe, alors. Allez, au travail, les gars. On y va. On y va. Allez, on y va. Oui, si vous voulez, passez-moi les plans et je supervise. Ah, 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 ça, c'est sûr. Ça. Tiens, César, si tu veux m'aider, j'ai des poutres à poncer ici. Voilà, en supervisant. À droite, viens ici, à droite. Viens ici. Papa, ma chérie, mon amour. Est-ce que tu m'as pardonné? Pas moi. C'est moi qui dois te demander pardon. Regarde, regarde ce que je t'ai fait. Non, papa. Seule la vie a été coupable de tout ce qui m'est arrivé, pas toi. Ce qui t'est arrivé, ma petite, c'est du passé désormais. À partir d'aujourd'hui, tout a changé. À partir de maintenant, tu es sous ma protection. Tu m'es revenue. Et cette fois, tu vas rester, Amélia. Tu vas rester pour toujours avec moi. Blanca, merci, merci. Non, monsieur. La vérité, c'est que vous ne vous imaginez pas. C'était une vraie émeute. Ils se battaient tous les uns contre les autres. Elle se faisait balancer de tous les côtés. La pauvre, elle était tout étourdie, mon Dieu. Bon, eh bien, c'est vraiment grave, cette histoire loupée? Non, c'est pire. Bien pire. Elle a une petite sœur qui semble très jeune, vraiment. Je vous jure, vraiment très jeune. Mais alors, si c'est comme ça, pourquoi l'as-tu laissée là-bas, loupée? Eh bien, parce que le pire ennemi d'Amélia, c'est elle-même. Oui, c'est certain. Elle est bien entêtée, bien butée. Elle a préféré rester là-bas, dans une maison abandonnée. Et ce n'est pas rien, hein. Mais celle de Pedro et Luisa Fernanda est bien plus belle. Au moins, dans celle-là, il y a de l'amour. Eh bien, moi, je ne vais pas l'abandonner. Je vais aller la chercher, je vais aller la voir, mais j'ai besoin que tu me rendes un grand service, loupé. Oui, monsieur. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. J'ai besoin que tu ailles t'occuper d'Amélia, s'il te plaît. Si j'arrive à la faire sortir de cette cabane, alors je lui trouverai une maison décente où elle pourra vivre tranquillement et... Mais si elle ne veut pas, dans ce cas, s'il te plaît, je t'en prie, loupé, prends soin d'elle. Bon, pour ma copine, je ferai ce que vous me dites. Dès demain, j'irai voir Amélia dans ce nid de vipères. Vipères? Non, une meute de loups, monsieur, de loups. Oh. Oh. Mariana! Mariana, ma fille! Viens! Venez tous! Tous! On arrive, on arrive! Quelle euphorie! Ces cris? Ah! Ce sont des cris de joie, Mariana! Ma fille chérie, mon Amélia, est revenue à la maison! Tu vois, Mariana, je ne dois plus m'en aller. Papa se rappelle de moi. Et il m'aime. Bien sûr! Après tout, il existe un dieu là-haut, n'est-ce pas? Et pourquoi je ne t'aimerais pas, ma fille? Tu es la gardienne de mon amour, la responsable de cette incroyable envie de vivre qui m'envahit depuis quelques instants. Eh bien, Mariana, tu es tellement heureuse du retour de ta sœur que tu es restée sans voix, n'est-ce pas? Hernan, où est ta fille? Il faut qu'elle connaisse le soleil de ma vie. Elle n'est pas encore rentrée de l'université, monsieur Fernando. Ah, pour toi. Pour toi, Amélia, je vais prendre soin de moi. Pour toi, je vais me soigner, mon enfant. Tu es tout pour moi. Maintenant, Blanca, aide-moi à organiser une grande fête. Il faut inviter tout le village. Organise tout cela, Blanca. Oui, bien sûr, monsieur Fernando. Mais nous n'avons jamais organisé de fête, papa. C'est parce que monsieur Fernando n'a pas été capable de vivre depuis que la petite Amélia est partie. Merci, papa. Merci, Blanca. Merci pour tout votre amour. Tu n'aurais jamais dû partir d'ici, Amélia. Devant la famille, je reconnais mon erreur et je te demande pardon. Papa, ne fais pas ça. C'est moi qui t'ai abandonné, c'est moi qui te demande pardon. À partir de maintenant, tu auras tout ce dont tu as besoin, absolument tout. Tu vas vivre comme la reine que tu es. Ma reine adorée. Loupé, tu ne peux pas imaginer tout ce que je ressens. Je te jure que mon cœur va éclater de bonheur. Ah, ah, mon ami, tu ne vas pas mourir maintenant que tes rêves sont devenus réalité, non? Mon papa m'a reconnue, Loupé. Il m'a reconnue, bien évidemment, avec l'aide de ma Blanca. Je suis enfin sortie de cette immonde cabane de jardinier. Maintenant, je suis à nouveau dans la grande maison.
Dans un immense lit, dans mon immense lit, Loupé. Tu sais, ce lit est même plus grand que la cabane du jardinier. Plus grand que quelque chose qui n'existe plus. Comment ? Amélia, la maison de Pedro et Luisa Fernanda a brûlé. Quoi, elle a brûlé ? Mais ils vont bien ? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Écoute, Pedro est très habile et ils vont certainement la reconstruire très vite. Ah, Loupé, maintenant la seule chose qui m'intéresse, c'est la joie que je ressens. Mon père m'a promis que je retrouverai la place qui me correspond dans cette maison. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais avoir rendez-vous avec les meilleurs médecins. Ils vont voir si je peux remarcher. Et avec un peu de patience et à nouveau de l'argent, je vais pouvoir essayer de reconquérir l'amour de Luis. Rosaria. Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi es-tu parti? Maintenant, à qui vais-je demander conseil? Hein? Dis-moi, à qui vais-je demander conseil maintenant? Non. Écoute, premièrement, tu te douches, hein? Tu t'enlèves cette odeur d'alcool, et pendant ce temps, je te prépare quelque chose. Voyons si on fait passer cette gueule de bois. Vers qui je vais me tourner quand je me sentirai perdu? Tu étais mon refuge, Rosaria. J'ai toujours demandé à Dieu qu'il me donne la vie pour voir grandir tes enfants. Ça aurait été mon plus grand bonheur. Mais un enfant comme ça, sans mariage, ce n'est pas ce que je souhaitais pour toi. Je n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai laissé mourir, je n'ai rien pu faire pour te sauver. Dis-moi comment je vais faire pour vivre sans toi. Comment ? Tu as les résultats. J'arrive tout de suite. Et son horrible famille. Juste lorsque j'arrive à me débarrasser d'eux, je n'ai même pas le temps d'en profiter que d'un seul coup se présente ce problème avec elle. Je dois faire quelque chose de définitif, quelque chose qui ne rate pas. Amélia ne peut pas prendre tout ce qui m'appartient pendant que je reste les bras croisés. Non, monsieur. Maintenant, je dois me transformer en cette bête féroce qui affronte toutes les situations et tout le monde afin de défendre ce qui lui appartient. Entrez, entrez, s'il vous plaît. Mariana, ce monsieur voudrait parler avec toi. Solorzano ? Madame Sotomayor, comment allez-vous ? Bien. Je voudrais parler avec vous d'un sujet très, très, très important. Pourrait-on se voir en privé ? Oui, bien entendu. Allons-y.